Dans cette vidéo, on va parler du gesso. Pourquoi c'est intéressant le gesso? C'est parce que ça peut rendre une toile plus lisse pour être capable de réussir, de mieux réussir nos fondus. Moi, j'en mets quand je fais des portraits ou des paysages, que j'ai des couleurs qui viennent rentrer une dans l'autre. Je m'en sers aussi pour récupérer une toile que je veux repeindre par-dessus. Fait que restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer trois façons d'appliquer le gesso qui soit lisse et parfait sans coup de pinceau. Premièrement, à quoi ça sert le gesso? Le gesso, ça sert à imperméabiliser le support et le rendre mat pour une meilleure adhérence à la peinture. Vous pouvez mettre du gesso sur du bois, du carton, du métal, à peu près sur n'importe quelle surface. Moi, j'ai deux raisons pourquoi je m'en sers de gesso quand je veux repeindre par-dessus une vieille toile que je veux récupérer. Et aussi quand j'ai une toile vierge que je veux faire un portrait et je veux minimiser la texture de la surface de la toile pour la rendre plus lisse et ça me permet de réussir des meilleurs fondus. C'est fait de quoi du gesso? C'est fait principalement de colle, de plâtre ou de craie et du blanc de titane. Ils s'en vendent en trois couleurs que j'ai vues sur le marché. Il y a du blanc, du transparent et du noir. Vous pouvez aussi rajouter de la couleur dans votre gesso pour le teinter. Moi, c'est ce que je vais faire, sinon on ne le voit pas sur la caméra ce que je fais. Il y a des recettes aussi, si vous voulez faire votre gesso sur l'Internet. J'ai vu des recettes. Moi, par exemple, je préfère l'acheter, sauver mon temps pour les choses créatives. Alors maintenant, pour les démonstrations, je vais changer la caméra. C'est toujours mieux de bien mélanger son gesso avant de commencer. Ça peut être très épais aussi. Je vais en mettre sur ma tablette. Et je vais lui donner une couleur. Ici, j'ai pris terre de sienne naturelle, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Je vais en mettre un peu parce que blanc sur blanc, on ne le voyait pas sur la caméra. Je vais bien mélanger les couleurs ensemble. Je mets toujours une couleur à l'acrylique dans mon gesso. Aussi, assurez-vous d'avoir un gesso qui fonctionne pour l'huile et acrylique. La marque, ça importe peu. Et je mélange très bien les couleurs ensemble. Je vais en rajouter plus pour qu'on ait sûr qu'on le voit bien. Je vais essuyer ma spatule parce que ça sèche assez rapidement. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau assez large. Le pinceau large, c'est pour que plus le pinceau est large, moins il laisse de marques de pinceau. Et c'est un pinceau très doux. Alors, vous pouvez y aller dans toutes les directions. Puis, si le gesso est trop épais, vous pouvez utiliser un vaporisateur et vaporiser un peu votre toile. Ça va permettre au gesso de mieux s'appliquer. C'est plus important de mettre plusieurs couches fines qu'une grosse couche épaisse. Ici, j'ai un petit mouton dans mon gesso. L'autre façon que j'aime appliquer le gesso, c'est avec les spatules Bondo. C'est des spatules de plastique flexible qui épousent la forme de la toile.
La raison pourquoi j'aime plus cette technique-là qu'avec le pinceau, c'est que ça vient vraiment rentrer le gesso à l'intérieur du grain de la toile et ça l'aide vraiment beaucoup à remplir toute la texture de la toile. L'autre façon aussi que j'ai trouvé qui était très fun pour appliquer, c'est avec un gadget comme ça, que je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose qu'on achète au Dollarama pour faire les plafonds, la ligne de plafond. Alors, ce que je fais ici, c'est que j'étends mon gesso. Et je la rentre dans les poils. Et ça laisse presque pas de coup de pinceau non plus. Ça, c'est mes trois techniques pour appliquer le gesso sur la toile et s'assurer d'avoir une texture parfaite. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que ça a répondu vos questions à propos du gesso et son utilisation. Si vous avez aimé la vidéo, faites le j'aime, partagez-la et j'espère de vous revoir avec vos pinceaux très bientôt. Merci, au revoir.